Salut à tous, c'est Xus Carter, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre gameplay sur God of War. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait là dedans? Faudrait que je m'habitue à utiliser ça, moi. Non, par là. Non, puisque tu l'as tué, tout va bien. Tu es un sacré gaillard. Ça doit être ça, j'imagine, l'os. Les os de Gulvig. Que voudrais-tu lui dire? À Gulvig? À ta mère. Qu'as-tu encore à lui dire? Je voudrais savoir s'il va bien. Elle est morte, Atreus. Je le sais bien, mais... Je comprends rien. Et toi non plus. Une autre carte? Super! Encore un, et on pourra traduire les runes de Niflheim. Fait ensemble. L'homme qui est venu à la maison, la rencontre avec le serpent monde, on a fait des choses incroyables. J'aimerais pouvoir lui raconter tout ça. Pas toi? Que lui dirais-tu d'autre? Je lui dirais que nous allons bien. Il faut pas qu'elle s'inquiète. Atreus, elle me manque aussi, tu sais. Je croyais que je savais rien du tout. Ah, faut vraiment que je m'habitue, c'est chiant. Ah, là, il y a encore un truc du Brésil. C'est là où il faut aller en plus. Et ça tombe bien. Hmph!
Ça, ça sent des ennemis. Alors, on va d'abord aller là-dedans. Après avoir récupéré ce coffre, bien entendu. Je me demande comment. Pourquoi est-ce qu'il déglingue toujours les coffres à la main? Il a une hache. Ah bon, c'est Kratos, ça faut plus chercher à comprendre. Des lettres ici et là, mais il nous faut le reste du code scriptural. Du coup ici ça marche plus non plus. Dernier os. Oui. Nous devrions les rapporter à l'esprit. Peut-être qu'il tiendra parole. Je sais qu'elle reviendra pas, d'accord? Je le sais. Mais je... Laisse tomber. Allons rendre les os. Voleur derrière toi! Oh, no!
jusque dans mon crâne. Pardon, je suis pas prêt. Je m'en suis bien tiré. Convenable. Je me demande pourquoi les autres Bullwig ont été éparpillés. Une profanation, sans doute. En disséminant les membres, on empêche l'âme de trouver le repos. Impossible d'atteindre le Valhalla ou Helheim quand tes bras sont sur une plage et ta tête sur une autre. Pourquoi ne pas demander à l'esprit? Je suis sûr qu'il te répondra sans détour. Quelque chose me dit qu'il y a... Il y a quelque chose qui cloche. Si moi je sais plus. Oh bah oui, forcément que je suis déjà venu puisque c'est le... Bref. Touché. Nous avons rassemblé toutes les parties du corps de ta femme, esprit. Montre-nous la magie que tu nous as promise. Ah, ma tendre Gullwig, entière à nouveau. Lève-toi, Gullwig. Réveille-toi, puissante Gullwig. Evni Ukarbithiast. Elle dit qu'elle honorera notre requête. Elle dit Fagnar. Et qu'elle nous réunira. In Gauder. Eh ben, t'avais raison. Presque prêt.
D'accord, tu peux le dire. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. T'es un garçon naïf et stupide. C'est également vrai. Mais ne retourne pas ta déception contre moi, Atreus. Qu'elle te serve de leçon. Oui, père. Alors là, la porte est ouverte, on va pouvoir continuer. Ce burin qu'on cherche, qu'est-ce que c'est ? Je suis content que tu me le demandes. Laissez-moi vous conter une histoire. Autrefois, vivait un géant du nom de Tamur. C'était un géant immense. Mais malgré sa très grande taille, c'était le meilleur tailleur de pierre que le monde ait jamais connu. Le fier Tamur espérait un jour transmettre son vaste savoir à son fils. Mais le jeune Rimtur rêvait de devenir un guerrier. Le père avait peut-être trop de peur en lui, ou le fils pas assez. Toujours est-il qu'une dispute éclata entre eux et dégénéra, et le tailleur de pierre, surmené, blam, frappa son fils. Rimtur s'enfuit dans la nuit. Empli de honte et de remords, Tamur courut pour rattraper son fils, mais dans son tourment, il se retrouva vite seul et perdu dans Midgard. Malheureusement, il rencontra la seule personne qu'il valait mieux ne pas croiser seule la nuit, si loin de chez soi. Thor. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Tu vas voir. Oh, mais moi je voulais savoir la suite. Alors attends, parce qu'il y a aussi un truc plus loin. Ouais, bon, ça c'est pas pour tout de suite apparemment. Thor l'a tué. Oh non, il est tombé sur un village. Oui. En tombant, Tamur a écrabouillé un charmant petit hameau qui vénérait le dieu Van, Njord. Thor s'est toujours vanté de l'avoir fait exprès, mais la vérité, c'est que ce soifard a juste eu un coup de chance. L'ennemi, droit devant. Si t'es prêt, moi aussi. Dis-moi encore ! C'est parti ! Pardon, je suis pas prêt ! Vu ce que j'ai fait subir, j'espère bien. On cherche un burin. Ça pointe en tout cas, oui. Un très très grand burin. On dirait que ça a rien fait du tout. Oh, bien joué, petit. Merci, c'est son idée. Je suppose qu'il faudra le faire dans l'autre sens aussi, j'imagine.
Qu'est-il arrivé aux survivants ? Ah, Tamur était un géant de glace. Quand il est mort, son dernier souffle a tout gelé. C'est par là où je suis descendu. Hein. Donc là, il y a la porte. Alors, on va monter ici. C'est vrai qu'il y a plein de choses à voir ici. On a trouvé le truc. Le voilà. Trouve la pointe de ce burin. Il nous faut sa magie. Ennemi droit devant. Je suis prêt. Cristal lumineux d'Alfheim, je me demande à quoi il sert. Tu peux les lire? D'accord. Par ces dons de la mer, nous rendons grâce à Njord. Ah oui, on raconte que Njord aurait calmé les vents et les eaux en faveur des pêcheurs. Depuis lors, il l'adore et le vénère ici. Durci de l'arbre monde, ça tombe bien. Génial. Je sais absolument pas quoi ça va nous servir, mais je suis sûr qu'on en aura besoin, alors autant que je le fasse tout de suite. Mais attends, c'est sa tête. Alors attends, le cristal qui est là-bas, faut que je le prenne avec. C'est à quoi c'est la gueule, t'as raison. Génial.
Il en reste brèche 3. Et quand même. J'ai deux. Tout ce qu'on avait à faire. Comment on descend? Tu casses la glace. J'ai un plan. C'est vrai? N'aie pas l'air si surpris. Mon frère, je doute que même Thor, armé de Mjolnir, puisse traverser cette épaisseur de glace. Alors Thor est un idiot. Voilà qui promet du spectacle. Atreus! Je suis prêt. Accompagnez!
Avancez. Il est où lui? Hop. Oh. Ça m'aura même pas étonné. On va d'abord récupérer nos trésors. Ensuite, on va aller faire un tour dans le... est-ce que ça augmente? Non. Ça, est-ce que ça augmente? Non plus. Donc, on s'en fout. Ensuite, j'avais dit que je prendrais ça. Donc, niveau là, on est tranquille. Et du coup, on va s'arrêter sur cette vision de la tête d'un géant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite. Salut !